Salut à tous les amis. Salut à tous. On espère que vous allez bien. Mm-hmm. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, il y a maman qui est au fond là-bas. Salut les amis. Déjà on tenait à vous dire que on s'excuse, on n'a pas été là pendant un petit moment. Pourquoi? Parce que papa avait besoin de prendre un petit peu de repos, des vacances. Parce que faire des vidéos toute l'année, les montages, tout ça, etc., etc., voilà, tenir un rythme, etc., la productivité, c'est pas facile. Donc, faut faire des coupures. Ouais, comme Kam a dit, là, on est toujours en vacances, parce que là, on est le jeudi 11 janvier, et c'est férié aujourd'hui au Maroc, donc les filles, elles ont pas école. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est encore en vacances. Donc voilà, donc on avait des choses à faire. Vous voyez ma voix, elle est pas normale. Je suis tombé malade aussi, j'ai perdu la voix aussi pendant quelques jours. J'étais pas bien. Masmas aussi, avant moi, était malade et elle a attrapé la maladie des enfants. Vous savez, qui viennent de l'Inde, je crois, un truc comme ça. Ouais, elle avait beaucoup de fièvre, elle avait un petit peu mal, du mal à respirer. Et voilà, elle a eu de l'herpès, pas de l'herpès, des boutons sur les lèvres. Le mal est ressorti par là. Et voilà, donc il y a papy aussi qui s'est fait opérer. Il y a papy et mamie qui sont à la maison. Juste après son anniversaire, le 3 janvier, il a fait une opération à l'oreille. On vous le montrera tout à l'heure, papy. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que on n'a pas filmé. Et des fois, faut bien prendre du temps pour nous et faire des choses hors YouTube. Voilà. Donc, on a fait une petite coupure. Ça a fait du bien. Là, on va reprendre tout doucement, tranquillement. Et voilà. Voilà, voilà. Après, quoi de plus ? Moi, j'ai pas de voiture, ma voiture est au garage parce que, dû à l'accident, la voiture, elle est en réparation. Et voilà, il y a des choses qui vont arriver. Voilà, vous inquiétez pas, on n'arrête pas YouTube. Et voilà, on va faire des choses... On va faire des choses cette année, on va reprendre les choses comme d'habitude et on va faire de belles vidéos. Ne vous inquiétez pas les amis. Voilà, voilà. Oui. Bon, sinon, moi j'ai fait une petite surprise pour mamie. Oui. Pour mamie Neza, je vais vous montrer. Peut-être qu'on va attendre papy, non, pour lui donner. Je sais pas. On va attendre papy, il est allé acheter de la viande hachée. Et voilà. Bon, on va aller faire coucou à Masmas. Il y a mamie aussi. Et voilà les amis, hein. Voilà mamie. Mamie, elle a un grand problème parce que papy, depuis qu'il a fait l'opération à l'oreille, il a un pansement sur l'oreille alors qu'on lui parle, il n'entend rien. Miskine. Mais je vois s'il entend mieux. Je vois qu'il entend mieux parce qu'il y a le pansement qui se décolle un peu. Il faut qu'il refasse le pansement. Bon, enfin voilà. Et Masmas, elle est là. Regardez, elle est dehors. Il fait beau, les amis, comme d'habitude. Il fait toujours beau. Et elle est en train de dessiner. Voilà. Il fait 25 à peu près, un truc comme ça. Voilà, Masmas. En ce moment, les amis, et ça, c'est pas un scénario, les filles, les disputes, ça y va. Ils sont jamais d'accord. S'il y a... Tout à l'heure, elles se sont disputées pour ce crayon-là. Parce que Kam voulait dessiner, alors elle a pris le crayon. Massilia a pris le crayon. C'est pour ça qu'après, Camilia est partie dans la chambre pour dessiner. Je lui ai dit, viens, j'ai un crayon, je vais te le passer. Et que Massima, c'est là. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Sinon, rien de plus. Vous verrez, il y aura de la nouveauté dans les semaines qui vont arriver. Il y en a un qui a dit, ouais... on sait que tu vas ouvrir un commerce, Habib, c'est pas vrai. On va pas ouvrir de commerce. Voilà. Pour ceux qui pensent tout savoir mieux que les autres. Bon, voilà, papy, les amis, il est rentré. Il est allé chercher la viande hachée. Eh oui. Regardez, l'oreille. Il a fait l'opération. Voilà. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Il a encore une visite lundi, Inch'Allah. Et voilà, on a mangé les légumes, la viande hachée.
Et voilà. Et voilà, allez-y, papy nous attendait. On était dehors en train de parler avec le gardien. Et voilà. Juste avant de manger, on va donner un petit truc pour mamie. Il a regardé, il a ouvert un petit cadeau pour mamie. Ah oui. C'est difficile de faire des surprises, de faire des cadeaux à papy et mamie. Ils sont très très curieux. Donc, bon, mais vous avez vu. Vous avez pas bien vu, vous savez pas ce que c'est. J'ai rien vu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit non. Voilà. Mamie, on sait qu'elle aime les choses comme ça, là, qui brillent pour le pain, pour le couscous, je sais pas. Vous aimez? Oui. Oui? Oui, merci. Bon, voilà. Un petit cadeau pour mamie. C'est un beau cadeau. Ouais. Merci. Si ça vous plaît, alhamdoulilah. Oui, merci beaucoup. Merci. T'aimes en ce moment toi aussi? Oui, oui, elle est bien. Elle est magnifique. Regardez les amis. Et le prix. Voilà, on est des catastrophes pour ça. Chaque fois, on oublie. Bah, c'est pas grave. On s'en fiche, le prix entre nous. Oui. Bon, allez les amis, on mange. Allez. Hier, on a fait quelques petites courses. Avec maman. Oui, nos petits achats. Des petits achats. On a dit à viens voir. Parce qu'il y a un petit truc pour elle. Oui, que j'ai dit normalement, c'était pas pour toi. Parce que... C'est vrai? Ouais, parce que je rentre, ils étaient. Ah, ils se disputent avec Cam Cam. Ouais. C'est ça. Alors, j'ai dit. Non. Moi, j'ai acheté un petit t-shirt comme ça. Palestine. Eh oui. Palestine. Il est magnifique. Ouais, il est beau, je l'ai aimé. Beau. J'ai dit, allez, je le prends. Ouais, je l'ai payé 10 euros, 10, 100 dirhams. Normalement, voilà. C'est moins cher, c'est juste. Ouais, c'est juste que. On ne veut pas. On a parlé français. Sadaka. Non, même Sadaka, c'est bon. Ouais, voilà. Il a dit 120 dirhams au début, on a négocié à 100. Il a commencé à me dire non, ouais. J'ai dit, tu connais, vas-y. Moi je sais que c'est moins cher que ça. Si tu veux, c'est bon pour toi, si tu veux pas, allez, il a dit c'est bon. Allez, il faut négocier avec eux, faire semblant de partir aussi. Après on a acheté ce petit truc là aussi. Oui, vous allez le voir bientôt. Ouais, Inch'Allah. Sur quelque chose. Et voilà, ça c'était ça pour Masmas. Ouais. Pour l'école, une gourde. Elle est belle, hein? Oui, elle est grande, elle est belle. Belle. Ah ouais. Prends soin. J'ai acheté, voilà. Je sais pas combien de gourdes. Et ça, c'est quoi? Combien? Ça, en fait, c'est des petits lingettes. Des en fait, la boutique, là que je t'ai dit, je sais plus c'est quoi le nom, Virgin ou je sais pas. Virgin Store. Megastore. Virgin Megastore. Il est magnifique, il est pas cher. C'est pas, on fait pas la paix pour eux. Je suis rentrée, j'ai beaucoup aimé, j'ai dit ça, c'est bien pour ouais, ils ont un type des livres, papeterie, oui. Ils ont des ordinateurs, alors, ils ont voilà. De... Oui. C'est quoi? Des ordinateurs. Et ah, si... c'est pas ça. Ben, c'est pas ça. Je sais de quoi tu parles, toi. Il y a que des choses comme ça, que des trucs de relief. Des trucs un peu clairs du Maroc, magnifique. On vous montrera. Les gourdes, les trucs là pour mettre le goûter, les boîtes, ouais. Plein de choses, des plein nounours, de choses, oui. J'ai acheté les trucs pour mettre je le portable en face. Un peu kawaii. Ah ouais. Oui, elle m'a acheté ça, ouais. Ma maman. Pour mettre le téléphone, ouais. Comme ça là. En fer. Oui, il est en fer, il est solide. Made in China. Ouais. Alors, j'ai pris ce paquet là pour les filles. Ouais. J'ai trouvé que c'est vraiment pratique. Chacune, je lui donne une pour les toilettes. Dans le cartable, ouais. On ne sait jamais. S'ils ont besoin pour les mains, pour partir aux toilettes. Aussi, un accident. Oui, on ne sait jamais. Fait... T'as montré sa bouche, Mskina, il était malade. Ouais, je l'ai dit qu'elle était malade avant moi. Ouais. Moi, la voix, ça va un petit peu mieux. Elle avait des boutons, comme des boutons de fièvre sur partout. Toute la bouche, Mskina. Partout, partout. Ouais. Elle arrive même pas au bout de ça. Et elle a du mal, pas du mal un petit peu à respirer. Et voilà, elle avait la maladie qu'ils ont annoncée, là, qui vient de l'Inde, je crois, ou un truc comme ça. Là, ça va mieux. Je mets la pommade. Et voilà. Et ça, c'est... Ça, c'est un cadeau pour ma belle-sœur, ouais. Pour Wafa. Pour Wafa. Elle aime ça, ce... La maman de Tariq. Il y en a dans le commentaire de la dernière vidéo qui m'a dit dans la vitre, on voit Asma sans le voile. Ouais, c'est pas moi. C'est pas Asma. Asma, elle était malade. Elle est restée assez reposée. Pendant les vacances, là, il y en a beaucoup qui sont malades à Marrakech, les amis. C'était Wafa dans la vitre. Ça, c'est... Ma belle-sœur. Sa belle-sœur. Oui. Bah, j'ai pris ça cadeau. Elle aime beaucoup ces motifs-là. Ouais, et même elle a acheté. C'est la mode au Maroc en ce moment. Même elle a acheté un tissu pour les canapés, oui, un petit pareil, peu gris avec oui. Ses.
Bon, comme après, ça, là, toi, la salle de bain, les toilettes avec le canapé. Tout assorti. Il va être contente, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Je sais pas, on l'avait dit dans un précédent vlog. J'ai déjà mais je suis plus triste. Ouais, on l'avait dit dans un précédent vlog, mais il y a Tariq et Wafa avec les enfants qui se sont installés à Marrakech. Ils ont déménagé. Oui. Et voilà, alors ils s'installent petit à petit. Toute la famille. Toute la famille, ouais. Et comme vous savez aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a Tata Liz, Tonton Steven, Océane et Alicia qui viennent vivre au Maroc aussi. Aussi, ouais, avec la famille, ouais. Vont venir petit ils ont petit. Fait, ils ont fait une annonce, je crois que c'est leur dernière vidéo. Voilà, ils vont arriver cet été. Quand Mes ils sont venus au Maroc, je crois pas. Si, ils m'ont dit. Mon ah oui? Il aimerait bien vivre ici. Ton papa? Ouais, les mais, deux. Mais ta maman aussi, le problème, la maman d'Asma, elle est trop attachée à sa maison. Mais c'est normal. Oui. Ouais. Beaucoup. Alors, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Ça sera pas tout de suite, en tout cas. Je sais pas. Allah wa alam. Même papi m'a dit que ce sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Mais vu que tout le monde sera là. Ouais, tout le monde. Ouais. Bon les amis, c'est... Ah, peut-être un but. On regarde la canne avec Papy. Bon, les filles, elles viennent juste d'aller au lit. Camilla s'est endormie sur le canapé. Et voilà. Demain, on doit aller à un endroit. On fera un joli vlog, mieux que celui d'aujourd'hui. Et on reprendra un petit peu. Ne vous inquiétez pas, Massilia, papa vont revenir aussi. Bon, on se dit à très vite. Et à bientôt. Bye bye les amis. Bye bye.